La légende dit que Moïse avait le pouvoir d'écarter la mer en deux. Et c'est vrai. Salut tout le monde de ces nuages de cube. Bienvenue dans le mode Moïse dans lequel vous allez pouvoir non pas crafter parce que le terme est inexact, mais posséder deux cannes. Alors la première, c'est la canne de Moïse officielle, elle est en bois. Pour la posséder, vous devez brûler un tas de feuilles et jeter un bâton dessus. Comme ça. Et vous obtiendrez la canne de Moïse. Vous allez pouvoir, comme je viens de le faire, écarter la mer en deux. Voilà, vous pouvez passer. S'il y a des poissons, vous pouvez aller voir nager, il n'y a pas de problème. Et pour faire en sorte que la mer soit comme avant, vous cliquez droit encore une fois. Et la mer redevient normale. La deuxième canne s'obtient en jetant la canne de Moïse dans de la lave. Hop. Et vous obtiendrez la canne brûlée de Moïse. Et cette canne va vous permettre d'écarter la lave en deux. Pour rejoindre l'autre bout, vous pouvez passer tranquillement. La lave ne va pas bugger. Et en fait, le mur de lave ressemble étrangement à... Souvenez-vous, ceux qui connaissent Doom, le sang, les crânes qui coulent le long du mur, ça fait penser à ça. Et ceux qui connaissent ce moment-là savent très bien de quoi je parle. Et vous pouvez cliquer droit pour remettre la lave en... par défaut comme avant. Alors le mode Moïse est à la version 1.6.2 et vous devez installer Forge pour ça. Donc je mettrai le lien de l'installation dans la description de la vidéo. De Forge et du mode. Et vous mettez le dossier compressé du mode Moïse dans le dossier MODS situé dans le dossier pour Minecraft, d'accord? Alors à bientôt, vive Minecraft et vive Moïse.